Très bien, donc nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous dans ce webinaire intitulé « Nouvelles idées pour enseigner la culture en classe de français langue étrangère ». Nous sommes avec Valérie Bénard. Valérie, pour ceux qui ne la connaissent pas, est directrice de Language Online. Elle est formatrice de formateurs FLE. Elle enseigne le FLE et le français sur objectif spécifique dans différentes structures parisiennes. Et elle enseigne depuis très longtemps en ligne et en présence également. Donc, elle va pouvoir vous faire part de différentes idées et pratiques pour justement donc intégrer l'enseignement de la culture en classe de français langue étrangère. Voilà, alors juste, donc je vous rappelle que vos micros et vidéos sont coupés. Vous pourrez poser vos questions à Valérie dans le petit onglet « Preguntas y respuestas » qui est en bas de votre écran. Et nous les traiterons à la fin de la présentation de Valérie. Donc je vous souhaite à tous un bon webinaire et je cède la parole à Valérie. Merci Julie. Bienvenue à tous et à toutes et à tous à ce webinaire donc qui s'intitule « Nouvelles idées pour enseigner la culture en classe de FLE ». Je suis vraiment ravie de partager avec vous ce moment autour de la culture parce que c'est un domaine que moi j'utilise énormément dans tous mes cours, que ce soit des cours de FLE standard, des cours de français sur objectif, pour n'importe quel public, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour tout type d'apprenants, je trouve qu'il est vraiment nécessaire d'enseigner à partir de la culture ou d'incorporer quelques éléments culturels dans son cours pour compléter ou ajouter des choses à son cours. Nous allons commencer ce webinaire par une petite question parce que vous venez tous d'ateliers différents et j'ai envie de vous mettre dans le bain de la culture. Donc, je vais vous poser la question suivante. Je vais partager en même temps mon écran. Alors, je vous demande quelques instants que ça charge. Voilà. Alors, je vais vous demander pour répondre à cette question d'utiliser la boîte de dialogue et je vais vous demander quels sont les domaines et activités du périmètre de la culture selon vous. Donc, vous répondez par une phrase, par un mot. Quels sont selon vous les domaines d'activité du périmètre de la culture. C'est parti, j'ouvre la boîte de conversation et j'attends vos réponses. La culture, c'est quoi? Vous rapprochez la culture à quel domaine? Allez-y. À l'art. Alors, est-ce qu'il n'y a que l'art qui est concerné par la culture? La société, c'est parti. La création. L'histoire, histoire, géographie, les traditions, la gastronomie. Les mœurs. La vie quotidienne, les échanges humains, la musique, le chant. La peinture, le théâtre, vous voyez que la culture c'est vraiment très vaste, les croyances, tout, les contes, la danse. Le sport, donc on va bientôt avoir les films, le cinéma bien évidemment, les usages. Les habitudes d'un peuple, la bande dessinée, la lecture, la littérature, les monuments historiques, la société, les vêtements, on peut rapprocher ça aussi de la mode, le langage, mœurs, coutumes, traditions, l'architecture, l'histoire, expression idiomatique,
La culture définit un pays, exactement. J'attends encore quelques réponses, les monuments, et puis nous allons commencer la langue. La culture cultivée, mais aussi toutes les expressions humaines. Les légendes, le drapeau, les gestes, la gastronomie. Ok, merci d'avoir participé. Nous allons arrêter maintenant la presse, exactement. Nous allons maintenant arrêter ce petit questionnaire. Et si je vous ai posé cette question, c'est parce que c'est une question que le ministère de la Culture a posée. A posé, voilà, le ministère de la Culture a fait ce sondage et il a voulu connaître les représentations du mot culture pour les Français. Et donc, le ministère de la Culture a fait une enquête en posant un échantillon de 1500 personnes représentatives de notre population. Et la culture, voyage, la cuisine, aller au théâtre, la presse. Donc, vous voyez, vous aviez parlé dans le chat de la gastronomie, des monuments, du théâtre, de la presse, écouter de la musique classique, lire des romans, jouer d'un instrument de musique, aller au cinéma, la mode, le design, faire des photos, le cirque, les bandes dessinées et les mangas, faire du jardinage, faire du sport, collectionner des timbres, surfer sur Internet. Danser entre amis, le rap, le hip-hop, le graffiti et le tag, les parcs d'attractions, aller à la chasse ou à la pêche, les séries télé, les jeux vidéo et les émissions de télé-réalité. Donc, j'ai repris ce sondage pour introduire le thème de ce webinaire. Maintenant, pourquoi devons-nous ancrer le culturel dans nos progressions? Tout simplement parce que ancrer le culturel permet de sensibiliser les apprenants à la culture francophone. Cela permet de participer à l'enrichissement culturel et personnel des élèves aussi. Je vous rappelle que l'enseignement des langues est le lieu par excellence qui permet de développer l'ouverture aux autres cultures. Cela permet de connaître les codes de communication, de dépasser les clichés et les stéréotypes, de développer bien évidemment l'esprit critique et cela permet de mieux cerner l'identité culturelle du pays. Maintenant, nous allons voir dans ce webinaire, comment intégrer naturellement des éléments culturels dans le processus d'apprentissage? Quels axes culturels privilégier? Où trouver des ressources? Comment les exploiter? Pour quelles compétences? À quel moment de l'apprentissage? À quel moment de la séquence? Donc, nous verrons tout cela au fur et à mesure de ce webinaire. Et maintenant, je vais reprendre les domaines proposés par le ministère de la Culture, parce que nous, dans ce webinaire, nous n'allons pas tout traiter, mais nous allons visiter un monument, nous allons voyager, nous allons parler gastronomie, nous allons parler de la presse, nous allons parler de musique, nous allons parler de romans, nous allons parler de cinéma, de mode, de photos et du sport. Cette classification est intéressante pour vous aussi parce que vous pouvez, dans vos cours, vous en servir pour proposer donc tous ces domaines et pour ancrer le culturel à partir de ces éléments dans vos cours. Ce webinaire se déroulera en trois parties. La première partie, je vous inviterai à avoir des éléments culturels autour de quatre thématiques: sortir, se distraire, voyager et s'informer.
Donc, je vous donnerai des idées, des pistes de travail, des documents à exploiter en classe autour de ces quatre idées. Ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons des nouvelles idées autour du calendrier, parce qu'il est très facile d'utiliser le calendrier pour insérer du culturel dans vos cours. Dans cette partie-là, je vous donnerai une date et une piste à exploiter en classe. La troisième partie dont je parlais tout à l'heure concernera la partie des questions. Donc nous commençons et je vais vous inviter à sortir. Donc allons-y. Autour de ce verbe sortir, je vous invite à sortir au musée, au cinéma, à une exposition de photos, à un défilé de mode à Paris. Donc si on reprend la classification du ministère de la Culture, on retrouve visiter un musée, visiter des monuments à Paris, on retrouve les films et le cinéma, la photographie et on avait la mode. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, vous voyez qu'en arrière-plan, j'ai créé ce qui s'appelle un tableau d'humeur ou on utilise le mot anglais, un mood board. Le tableau d'humeur est un outil très pratique à utiliser dans vos cours. C'est une activité de production, donc c'est une activité d'expression orale. Vous pouvez proposer à partir d'une thématique à vos élèves de créer un tableau d'humeur à partir d'une certaine thématique et ensuite ils peuvent, comme moi, ajouter du texte. On peut ajouter un mot, on peut ajouter des phrases, mais c'est une activité qui est très intéressante à faire avec vos apprenants. Les outils pour créer un tableau d'humeur sont les suivants, Canva, PictoChart ou Spark. Je vous montre comment fonctionne Canva. Et juste, je fais une petite parenthèse. Tout cela, je le mettrai sur le Drive de manière à ce que vous puissiez retrouver tous les liens que je vais commenter durant ce webinaire. Donc, Canva est un outil très simple à utiliser. Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cette page et vous n'avez qu'à cliquer sur « Créer un nouveau design ». Vous choisissez le type de présentation que vous voulez. Alors, comme je suis en partage d'écran, ça prend un petit peu de temps. Donc, vous arrivez à une page vierge. Et voilà, et vous voyez différents onglets sur la gauche. Je vais commencer par ajouter un arrière-plan. Voilà, hop, par exemple. Je vais ajouter des éléments. Comme je suis dans la culture, je vais chercher les photos que j'ai sur les musées. Hop, donc vous voyez, c'est vraiment très, très facile à utiliser. Voilà, on avait une autre thématique qu'on avait vue tout à l'heure, un autre domaine qui était la musique. Je clique sur « Musique ». Voilà, j'ai mes notes de musique qui s'affichent. Vous pouvez importer aussi une image de votre ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est d'ajouter du texte. Pour ajouter du texte, vous avez différentes options. Soit vous ajoutez un titre. La culture. Hop. Soit vous pouvez utiliser ce qui est déjà proposé et puis ensuite l'art, par exemple, c'est quoi?
voilà, etc. Ensuite, vous présentez, par exemple, si vous voulez l'utiliser dans votre classe, vous, voilà, j'ai mon tableau d'humeur, ma présentation qui est prête. Vous pouvez partager ou vous pouvez tout simplement télécharger votre tableau d'humeur. Voilà, vous le retrouvez. Là, je l'ai sur mon ordinateur, sur laculture.org, qui s'affiche en PDF. Donc, vous voyez, vous pouvez ajouter des photos ou bien vous pouvez ajouter des dessins. Voilà pour l'outil qui sert à faire un tableau d'humeur. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez exploiter ce tableau d'humeur en classe. Vous pouvez exploiter ce tableau d'humeur dans une activité d'expression orale, soit en début de cours pour introduire votre nouvelle thématique ou votre nouvel objectif. Ou bien vous pouvez demander à vos élèves de faire un tableau d'humeur en projet final. Et pourquoi pas exposer après tous ces tableaux d'humeur à l'aide d'autres outils pour faire pour faire une exposition virtuelle. Donc voilà pour la première idée, créer un tableau d'humeur autour de la culture. Je vous rappelle que notre thématique est sortir et nous allons tout d'abord sortir, je vais vous inviter à sortir au musée et nous allons exploiter une œuvre d'art. Donc c'est parti, je vous propose l'exploitation d'une œuvre d'art. Comme il est toujours très intéressant pour nos élèves de poser des questions et d'émettre des hypothèses, j'ai volontairement utilisé un nouvel outil qui s'appelle FacePixelizer, qui me permet de flouter un document. À partir d'un document authentique, quand vous utilisez cet outil, vous pouvez, comme vous pouvez le voir ici, flouter le document, pixeliser le document ou bien ajouter un cadre noir. Donc ici, si on se place de côté des apprenants, l'apprenant devra émettre des hypothèses à partir de ce qu'il voit. Donc que voit l'apprenant sur cette photo? Là, on distingue un visage, on distingue une épaule, on distingue une jambe ici, un bras ici. C'est un paysage, sans doute, il y a du soleil, il y a un ciel bleu, donc c'est un paysage de la mer, c'est une invitation au voyage, une invitation aux loisirs. Et en effet, il s'agissait du tableau « Les loisirs » de Fernand Léger. Je vous montre comment utiliser FacePixelizer. C'est pareil, c'est un outil très facile à utiliser qui ne demande aucune inscription. Vous avez vu, j'ai juste cliqué sur FacePixelizer. Je vais déposer mon image ici. Donc, je vais aller la chercher. Je suis obligée de minimiser mon écran. Donc, je vais déposer cette image. Hop. Donc, j'ai déposé mon image et maintenant, sur cet outil, je sélectionne manuellement le type d'effet dont j'ai besoin, soit flou, pixel ou solide. Donc, je vais commencer par le flou. Et ici, je peux sélectionner la taille de l'effet. Donc, je le mets au maximum parce que le but, ça, c'est vraiment flouter. Et avec ma souris, voilà, je viens de flouter cet élément-là. Je vais pixeliser cela et je vais ajouter un solide ici. Ajouter un solide peut être très utile si vous avez des photos de vos apprenants, de vos élèves. Si vous voulez flouter les visages, vous pouvez utiliser cet outil aussi. Voilà pour cet outil FacePixelizer. Une fois que vous avez fait ça,
Il suffit d'enregistrer et c'est pareil, vous avez sur votre ordinateur enregistré votre nouvelle image que vous allez pouvoir exploiter avec vos élèves. Voilà pour cette première idée. Qu'est-ce que l'on peut faire à partir d'une œuvre d'art? Nous pouvons nous servir de cette œuvre d'art en rituel, donc c'est-à-dire en commençant son cours dans le cadre de la routine, du rituel. On peut imaginer que vous instauriez un rituel sur quelques semaines ou un trimestre. On a une minute pour parler art. Donc, on imagine que vous allez proposer à vos élèves différentes œuvres d'art à chaque fois, différentes thématiques d'œuvres d'art, ce qui va permettre de rebrasser du vocabulaire qui n'est pas forcément dans votre thématique, qui ne concerne pas forcément votre objectif, mais ça va permettre de réinvestir du vocabulaire. Une minute pour parler d'art, ou bien en début de séance, pour introduire votre objectif. Ici, on pourrait imaginer parler des loisirs, ou bien on peut se servir de cette œuvre d'art pour parler de la famille. Vous pouvez l'ajouter, vous pouvez incorporer une œuvre d'art aussi en complément d'un manuel pour ajouter un élément culturel. Nous poursuivons notre visite avec la Tour Eiffel de Delaunay. J'ai volontairement pris des œuvres d'art un peu différentes de manière à ce que ça puisse s'adapter et que vous puissiez transférer ces œuvres d'art, que vous soyez enseignant de maternelle, de primaire, de collège, de lycée, ou bien pour adultes. Donc ici, ça s'adresse plus à un public de maternelle et de primaire, puisqu'on pourra faire un travail sur les couleurs et les formes géographiques. Nous pouvons proposer, à partir de cette œuvre d'art, un projet final interdisciplinaire entre l'art et le FLE. On peut imaginer faire une exposition en pâte à modeler, on peut imaginer peindre à la manière d'eux, mais si on s'arrête à ces deux points, faire une exposition en pâte à modeler ou peindre à la manière d'eux, il manque quelque chose. Donc moi, je vous propose ensuite d'exposer la production, de la commenter devant une autre classe et d'écrire un commentaire. Ce qui fait travailler les compétences d'expression écrite et d'expression orale. Et on peut utiliser un autre outil qui s'appelle Book Creator afin de faire une exposition virtuelle. Ce dont je vous parlais tout à l'heure à propos des tableaux d'humeur. Je vous montre comment fonctionne Book Creator et je vais tout d'abord vous montrer un exemple d'un Book Creator que j'ai fait dans une classe. La consigne était la suivante. Il fallait associer un adjectif à un vêtement, à une couleur, à une saison et y ajouter une musique. Donc, je vous montre tout de suite ce que cela donne. Alors, ça s'appelait émotion, mode et saison. Donc, vous voyez, je vous avais dit, on allait associer une saison, automne, hiver, printemps, été, à un adjectif minimaliste, féministe, excentrique et classique. Et on ouvre le livre et voilà ce que cela donne. Donc ici, j'ai bien cet apprenant-là a bien respecté la consigne puisque j'ai le vêtement, j'ai la couleur, j'ai la musique et j'ai l'adjectif. Et puis, voilà, pour vous montrer toutes les fonctionnalités de Book Creator. Voilà, nous pouvons donc écouter cette musique. Donc, je passe brièvement sur les autres productions. Donc, une fois que vous avez récupéré toutes les productions de vos élèves, ensuite, nous pouvons les commenter à l'oral. Et faire
une activité d'expression orale. Je vous montre maintenant comment fonctionne Book Creator et comment créer un Book Creator. Donc, il suffit de s'inscrire, hein, c'est très facile, c'est gratuit. Vous avez le droit de publier 40 livres. Donc, on va ici sur « Nouveau livre ». Nous avons la possibilité de publier un livre format portrait, format carré, format paysage. Et nous avons aussi la possibilité, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais de faire des bandes dessinées. Donc, si je prends ce modèle-là, le modèle carré, j'arrive à cette page de couverture. Donc, je vais y insérer du texte. Voilà, hop, je vais insérer du texte. J'ajoute, je veux le mettre en plus gros. Voilà, je veux changer la couleur. Donc, vous avez vu, c'est très, très intuitif. La culture, on prend maintenant la page numéro 1. Je veux mettre un fond. J'ajoute un texte et on va s'intéresser tout d'abord au cinéma. Donc on imagine, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. C'est un outil qui est aussi très intéressant puisqu'il vous permet voyez, de vous enregistrer. Donc, on peut maintenant, je peux commencer mon enregistrement. Donc, bienvenue sur le webinaire « Partage d'idées autour de la culture ». J'arrête l'enregistrement et je veux utiliser cet enregistrement. Et voilà, il est déjà ici. Vous avez aussi la possibilité de vous enregistrer, soit de prendre une photo, soit d'enregistrer une vidéo. Donc, je fais une petite parenthèse, mais vous pouvez utiliser cet outil dans le cadre de la démarche inversée pour proposer des capsules vidéo à vos élèves. Donc, j'arrête la vidéo. Voilà, utilisez la vidéo. Et ma vidéo est en train de charger ici. On peut aussi ajouter un lien, donc intégrer un lien YouTube, un lien une chanson, n'importe quel lien de Wikipédia. Qu'est-ce que j'ai d'ouvert ici? Hop, on va mettre par exemple le lien de FacePixelizer. Et je l'ajoute. Et votre lien est ici. Une fois que j'ai fini mon livre, j'ai juste à cliquer sur cette petite flèche et je suis prête à publier en ligne. Attention, publier en ligne ne signifie pas que c'est public. Là, vous voyez, moi, dans mes paramètres, j'avais déjà coché « privé ». Donc là, je donne un titre, « La culture ». Voilà, j'ai publié en privé et maintenant, mon livre a été publié. Je vais pouvoir donner le lien à mes élèves. Mes élèves qui auront reçu ce lien auront la possibilité de lire le livre que nous avons créé. Donc, ils auront la possibilité d'écouter les audios, ils auront la possibilité de regarder la vidéo que le prof a fait, ils auront la possibilité de regarder les liens. Et voilà, c'est fini. Donc, voilà ce que l'on peut faire avec Book Creator. C'est vraiment très pratique, très interactif. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Et puis, la prise en main de cet outil est très, très interactive. Voilà ce que nous pouvons faire autour d'une exposition virtuelle. Je vous invite à poursuivre notre visite au musée
Et je vous propose maintenant des regards croisés. Regards croisés parce qu'on va voir deux œuvres totalement différentes qui ont été réadaptées au goût du jour. Donc j'ai appelé cette rubrique œuvres d'art et nouvelles technologies. Elle rentre dans le cadre d'un projet interdisciplinaire, art visuel et FLE. Nous pouvons imaginer l'objectif suivant, décrire tout d'abord à l'oral une œuvre d'art qui amènera à éveiller l'esprit critique et au second objectif, donner son opinion. Donc regardons tout d'abord la première œuvre d'art, le livre de fables de William Bouguereau, qui est un peintre français. Nous voyons ici une petite fille qui tient un livre à la main. Cette petite fille a le regard plutôt vague, elle a l'air plutôt triste. Voilà, on n'a pas grand-chose d'autre à dire et on va voir pourquoi il y a un lien avec la nouvelle technologie, parce que nous avons un artiste italien, Crudeoil 2.0, qui a réadapté cette œuvre d'art pour faire une critique des nouvelles technologies et surtout des nouvelles technologies et l'usage qu'en font les jeunes et les enfants. Donc nous observons sur cette nouvelle œuvre d'art que tout ce qui concernait le jouet a été mis à la poubelle. Je ne sais pas si vous distinguez, mais ici à gauche, en bas à gauche, il s'agit d'une poubelle et que le livre, la tablette, pardon, a remplacé le livre et que cette petite fille, aussi jeune soit-elle, est totalement hyper connectée. Donc, quand je vous disais qu'en objectif, on pouvait donner son opinion, on imagine bien sûr ici un débat avec nos élèves sur l'impact des nouvelles technologies sur les jeunes. Nous allons regarder tout ce qu'a d'autres productions de cet artiste. Donc, il fait, alors ça a du mal à charger, il fait en effet, alors comment je vais faire? Une véritable satire. Ah, je suis coincée par le chargement. Donc, brièvement, de toute façon, je vous le mettrai en lien sur le drive. Donc, il fait. Alors, je voudrais enlever celui-ci, mais ça charge. Donc, il fait vraiment une satire. C'est une satire sociale. Alors. Donc, il parle, je ne sais pas si on va pouvoir voir d'autres œuvres. Pas. Ouais, ça ne charge pas. Donc, il parle des nouvelles technologies. Non, bon, on va pas, je vais pas pouvoir, ça ne charge pas. Ah, ça y est. Donc, brièvement, donc la batterie faible. Chirurgie plastique, et il a repris ce tableau si célèbre. Voilà, donc j'arrête là parce que je pense que sinon on va perdre notre temps. Je vous invite à consulter le drive cet après-midi pour voir ce que cet artiste vous propose. Deuxième œuvre d'art qui condamne la société de consommation et qui sensibilise à l'environnement. Il s'agit de la même manière d'un projet interdisciplinaire. Je vous propose tout d'abord le tableau Les Nymphéas de Monet, qui sera l'occasion de revoir avec vos élèves certains tableaux des impressionnistes.
Et puis, je vous propose l'adaptation que Banksy a fait de ce tableau pour critiquer notre société de consommation. Donc, c'est pareil, à tout niveau, on peut imaginer un débat avec ses élèves, bien sûr, en ayant préparé toute la terminologie autour de l'argumentation, comment donner son opinion en ayant sous la main une boîte à outils pour que ce soit beaucoup plus interactif lors du débat. Et vous pouvez amener vos élèves à donner leur opinion sur la société de la consommation et les sensibiliser sur l'environnement. Vous retrouverez cette œuvre d'art détournée sur ce site-là. Maintenant, dans l'imagination et la créativité au service du FLE, on a vu ici des images, des œuvres d'art qui ont été détournées. Maintenant, on peut aussi se mettre en scène. Pendant le confinement, le Getty Museum a fait un challenge et a proposé aux internautes de prendre une œuvre d'art et d'essayer de reproduire cette œuvre d'art. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis se mettre en scène sur cette diapositive. Donc, je vous propose de regarder. C'est une activité que vous pouvez proposer à vos élèves et vous pouvez ensuite utiliser leur production dans le cadre d'un rituel. Vous pouvez demander, faire passer 4-5 personnes tel jour et le faire sur plusieurs semaines. Donc, choisir une œuvre d'art, la détourner et se mettre en scène. Et ensuite, exploiter cette œuvre d'art en classe. Donc, c'est très drôle. C'est très drôle. Elles sont plutôt réussies, celles-ci. Donc, quand je disais que l'imagination et la création étaient au service du FLE, nous en avons la preuve avec ces documents. Donc, vous pouvez donner l'œuvre d'art à vos élèves, choisir une œuvre d'art, la donner à vos élèves et voir comment, à partir d'une seule œuvre d'art, comment vos élèves interprètent, réinterprètent ou détournent cette œuvre d'art, ou bien vous pouvez laisser libre choix à vos élèves de chercher une œuvre d'art sur Internet et de la détourner. Donc, on a des résultats qui sont plutôt bons. Je vous emmène juste une dernière. Oups, où est-elle? Voilà, celle-ci. Frida Kahlo est très utilisée en Espagne et on a substitué des produits ménagers aux oiseaux, mais on a respecté les couleurs. Donc, c'est vraiment libre à chacun d'interpréter l'œuvre d'art et de composer avec ce qu'on a à la maison. Voilà pour sortir au musée. Maintenant, pour clore cette partie sortir au musée, je vous donnerai dans le Drive, je vous donnerai ces ressources-là. Ce sont des visites virtuelles. Donc, vous pouvez aller au Centre Pompidou, aller au Louvre, aller au Musée d'Art Moderne de Paris, aller au Musée en Herbe. Le Musée en Herbe, c'est un musée qui est fait pour les petits. Donc, je l'ai mis exprès pour ceux qui sont professeurs en maternelle et en primaire. La pandémie nous a permis d'avoir accès à toutes ces ressources, donc profitons-en. Deux autres ressources
qui sont très intéressantes pour vous en tant que professeur pour chercher des idées, c'est ARTIPS. ARTIPS, c'est un site qui est gratuit. Un site gratuit, ça s'appelle « Une dose d'art au quotidien ». Vous n'avez qu'à remplir ce formulaire pour vous inscrire et vous allez recevoir 3 fois par semaine dans votre boîte mail des anecdotes gratuites à propos d'œuvres d'art. Ces anecdotes, c'est 3-5 minutes de lecture maximum. Je vous conseille vivement, si vous voulez enrichir vos connaissances, si vous cherchez de nouvelles idées, de vous inscrire sur plusieurs mois et ainsi de piocher des nouvelles idées. Vous pouvez aussi, si vous cherchez des compréhensions orales autour de l'art, aller sur le site officiel de Dardar. Alors, Dardar est une émission, c'est pareil, c'est une petite dose d'art, ça dure 5 minutes, ça dure quelques minutes. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire. Voilà, vous avez ici différentes œuvres d'art qui sont commentées. Donc, vous avez Candice Tilly, Douanier Rousseau, Gauguin, etc., Rodin, Degas. Donc, à vous de piocher ce dont vous avez besoin pour une exploitation en classe. Voilà, nous en avons fini avec le musée. Je vous invite maintenant à sortir à une exposition photo. Que peut-on faire avec une photo? Ici, nous sommes dans une activité de production, choisie une activité de production d'expression écrite. Nous sommes dans un projet d'écriture à partir de la voiture fondue de Robert Doisneau. C'est une photo de 1944. Vous avez diverses possibilités à partir d'une photo. Vous avez la possibilité de faire une interview en binôme. Un élève joue le rôle du journaliste, un autre élève joue le rôle du photographe. Les deux élèves travaillent ensemble, imaginent le dialogue, écrivent le dialogue, écrivent un premier jet. Vous corrigez ensuite le premier jet du binôme. Vous leur proposez d'améliorer leur écrit. Et ensuite, évidemment, comme c'est une interview, vous allez leur proposer de jouer cette interview devant toute la classe. On a une autre possibilité. Et ici, nous sommes dans une dynamique interdisciplinaire où on va allier histoire et FLE. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des professeurs de DNL, mais cette photo se prête bien à cette exploitation-là. On peut mettre sa classe en groupe et faire 3 productions. Je m'explique. On peut imaginer tout d'abord ce qui se passe avant la photo. Avant la photo, où sont ces enfants? On voit qu'on est en 1944, on voit qu'il y a eu un bombardement, on voit une ville détruite. Donc on imagine une histoire. On n'est pas obligé de faire très long, 5 phrases, 10 phrases maximum. Une fois cette histoire, cette première expression écrite créée, on échange les productions entre les différents groupes et on devra continuer l'histoire d'un autre groupe. La deuxième histoire, ce sera uniquement la description de cette photo. Donc, bien prendre en considération
les dernières phrases de l'histoire numéro 1 pour commencer l'histoire numéro 2. Donc, au préalable, il faudra travailler avec vos élèves les enchaînements logiques et les transitions. Une fois cela fait, on rééchange les productions et on termine. Qu'est-ce qui se passe après? Où vont aller ces enfants? Pour arriver donc à une production finale qui pourra être lue évidemment devant toute la classe, qui pourra être publiée une fois de plus avec l'outil Book Creator, de manière ensuite à publier ce livre sur le blog de l'école par exemple, et puis montrer aux autres classes ce qui a été fait en projet d'écriture dans votre classe. Donc voilà ce que nous pouvons faire à partir d'une photo. Nous allons poursuivre maintenant et je vous emmène au cinéma. Au cinéma, je vous propose trois choses et on va travailler tout d'abord avec les affiches. Les affiches de cinéma, vous pouvez les avoir sur allociné.fr. C'est une mine d'or. Allociné.fr est une mine d'or pour trouver les bandes annonces et des affiches de cinéma. Ici, le but, c'est l'expression orale, activité donc de production. On va analyser l'affiche. Vous allez demander à vos apprenants d'émettre des hypothèses à partir de cette image. Donc, restez, qu'est-ce que vous voyez? Ensuite, émettre des hypothèses à partir de l'écrit pour aller un petit peu plus loin. Essayez de commencer à raconter peut-être une histoire et puis vérifier les hypothèses avec la bande-annonce. Voilà ce que nous pouvons faire à partir d'une affiche. Ensuite, nous pouvons aussi décrire des personnages. J'ai choisi volontairement deux films, Radioactive qui raconte la vie de Marie Curie et La Môme qui raconte la vie d'Édith Piaf, parce que dans ces deux bandes annonces, nous pouvons caractériser ces deux célèbres femmes. Nous pouvons facilement chercher et trouver des adjectifs pour les caractériser. Je fais juste une petite parenthèse, Radioactive est un film qui est en anglais, mais je trouve que dans un contexte de plurilinguisme, on peut visionner, on peut visionner la bande-annonce dans sa classe de français, les sous-titres de cette bande-annonce sont en français. Voilà. Et donc, je fais juste un petit point sur Allociné pour vous montrer. Pour vous montrer comment vous pouvez utiliser ce site internet Allociné pour chercher des ressources. Donc, vous avez, donc si je tape par exemple La Môme, voilà, j'arrive ici. Donc, vous avez le résumé du film. Vous avez les avis. Excusez-moi. Voilà, vous avez les avis de la presse, les avis des spectateurs. Vous pouvez très bien travailler aussi sur les différents avis des spectateurs, comment donner son opinion. Voilà, ici, nous pouvons nous servir des commentaires pour apprendre à faire une critique d'un film. Vous pouvez, en cliquant sur cette affiche, regarder la bande-annonce.
Vous avez accès donc à tous les films, vous avez accès à toutes les séries. Et puis, je vous laisse aussi, vous avez un onglet pour les enfants. Donc, voilà pour ce site Allociné. Nous pouvons aussi imaginer des dialogues. Imaginer des dialogues et pour imaginer des dialogues, j'ai pris cette bande-annonce-là qui se prête vraiment bien. C'est, je ne sais pas si vous connaissez cet extrait du petit Nicolas quand le ministre arrive dans la classe. Mais voilà. Donc, je ne sais pas, Julie, si tu as partagé le son quand. Ah, non, c'est à moi. C'est toi, je Juste un crois, qui a instant. la Oui, main c'est qui est moi. sur le C'est moi. son. Tu as raison. C'est bien compris? Voilà. On entend. Voilà, c'est Ça, c'est parfait. bien. C'est bien. Donc, nous pouvons très bien. Et moi, je l'ai utilisé dans mes cours. Et nous pouvons très bien imaginer un dialogue à partir de cette bande-annonce. Ah, alors asseyez-vous, mes enfants, asseyez-vous. Voilà. Évidemment, quand on fera jouer le dialogue à nos élèves, il faudra aussi bien prendre en considération le ton des différents personnages de cet extrait. Voilà. Alors, je reviens sur mon webinaire. Donc, dans la rubrique Sortir au cinéma, je vous rappelle trois choses. Nous avons l'exploitation d'une affiche de cinéma, l'exploitation des bandes-annonces, et à partir de cette dernière bande-annonce, imaginer des dialogues. Nous allons maintenant sortir à Paris. Et pour sortir à Paris, je vous invite à regarder la bande-annonce de Lupin et d'essayer de trouver les différents lieux, les différents monuments. Tout à l'heure, dans la boîte de dialogue, beaucoup d'entre vous avaient écrit que c'était Je suis les agent monuments. d'entretien. Alors, par contre, on n'a pas besoin du son pour ça. Les différents monuments faisaient partie de la culture. Donc là, on peut imaginer, on est au Louvre, à l'intérieur du Louvre. Donc on cherche les différents lieux à Paris. Voilà, on est dans une rue, on est dans une rue. On continue. On voit un pont, on va chercher le bâtiment qui est derrière, etc. Donc, vous pouvez vous servir de cette bande-annonce pour essayer de trouver pour identifier les différents lieux à Paris. En prolongement, de cette visite de monument. Je vous propose une petite cuisinière. La cuisinière, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui a été créé par Canopé. C'est un outil très utile pour faire de l'expression écrite, de la compréhension écrite, compréhension orale et aussi de l'expression orale. Je vous montre ce que j'ai fait moi, oops, pardon, avec, je vais arrêter un instant mon partage, avec Notre-Dame de Paris. Donc j'ai pris un. J'ai pris une ressource
de compréhension orale de un jour une question. Alors, je reviens vers vous et je repartage mon écran. Voilà, donc on arrive à mon questionnaire de la cuisinière, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, j'ai incorporé dans ce test un jour une question pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un outil très utile, qui permet Notre-Dame de Paris. D'incorporer des éléments culturels. Nous avons plein de choses différentes, plein de vidéos. Par exemple ici, pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale, c'est qui Karl Lagerfeld, et puis des questions de la vie courante. Les bonbons sont-ils bons? Donc ici, dans le cadre de ce webinaire sur la culture et sur sortir à Paris, c'est quoi Notre-Dame de Paris? Donc je demande à mes élèves de regarder cette vidéo. Construite au Moyen-Âge. L'intérêt de cette cuisinière, c'est que l'élève peut le regarder plusieurs fois avant de répondre aux questions. Donc, je lui demande tout d'abord de chercher Notre-Dame sur la carte, de prendre le stylo et d'entourer Notre-Dame. Ensuite, dans la vidéo, on avait à quelle période la Notre-Dame a été construite. Donc, l'élève va devoir répondre à quelle période de l'histoire. Une autre question, et j'attends une réponse longue de la part de l'élève. La vidéo dit que Notre-Dame est le symbole de la France. Connais-tu d'autres symboles de la France ou de Paris? Donc ici, on est vraiment dans la culture. Retour sur la vidéo, en quelle odeur Notre-Dame est-elle construite? Comment s'appelle l'auteur du roman? Ensuite, il faudra faire remplir les trous grâce à cette activité. Voilà. Voilà ce que nous permet de faire la cuisinière et comment incorporer une vidéo, comment faire d'après une compréhension orale, comment intégrer le culturel dans vos cours. Donc voilà sur le premier élément qui est sortir. Nous allons passer maintenant à un deuxième élément qui s'appelle distraire. Se distraire. Alors, se distraire, je n'ai rien créé du tout. Je vous propose d'écouter de la musique et de profiter de ce que TV5 Monde propose sous la rubrique Parole de clip. Parole de clip est un site vraiment très bien fait. Vous pouvez choisir le niveau de vos élèves et choisir une thématique bien précise. Il y a tout est préparé, les fiches pédagogiques sont vraiment très bien faites. Vous pouvez utiliser Parole de clip avec tous vos élèves, qu'ils soient adultes, enfants ou étudiants. Et comme ça, leur permettre de découvrir des chansons françaises. Nous continuons sur le voyage. Alors, je vous emmène évidemment à Étretat. À Étretat où vous pouvez faire un parallèle entre cette œuvre d'art là et puis j'ai capturé une photo de la bande-annonce de Lupin. Donc nous voyons que nous ne sommes pas ici du même côté, nous pouvons décrire
ce qui se dégage dans cette peinture et ici sur cette photo. Donc, c'est quand l'œuvre d'art est à la rencontre de la fiction et de la réalité. En prolongement, je vous propose une autre idée. C'est une idée que j'ai prise à l'éditeur Clé International, qui a adapté un livre d'Arsène Lupin, La Demoiselle aux yeux verts. C'est un livre qui s'adresse aux élèves de A2. C'est un livre donc abrégé, évidemment. Vous aurez le lien, pareil, dans le Drive. Ici, sur ce lien-là, vous avez accès au premier chapitre, simplement. Donc, ça peut être une première... vous pouvez travailler uniquement sur les personnages, vous pouvez travailler donc sur les premières scènes. Voilà. Vous avez la possibilité aussi d'écouter, et là tous les chapitres sont en audio. Donc, si vous ne voulez pas... Ah, le site est en maintenance, désolé. Donc, chez vous, vous pourrez voir que tous les chapitres sont en version audio. Donc, vous pouvez travailler la compréhension orale avec vos élèves. Donc, voilà pour l'invitation au voyage. Après cette invitation au voyage, nous allons voir des nouvelles idées autour du verbe s'informer. S'informer, bien évidemment, on pense à la revue de presse. La revue de presse, comment exploiter une revue de presse en classe? Vous pouvez demander à vos apprenants de préparer chez eux une revue de presse. Et en classe, ils auront 2 minutes pour rapporter un fait. Vous pouvez laisser le choix à vos élèves de chercher dans un journal une rubrique qui les intéresse, un fait qui les intéresse, ou bien vous pouvez, parce que ça correspond à votre objectif, imposer une rubrique et demander à vos élèves de faire un petit résumé. Ou bien en début de cours, vous pouvez demander directement à vos élèves de rapporter des faits à partir des gros titres, à partir uniquement des photos ou à partir de courts articles. Vous pouvez travailler la photo du jour, donc vous pouvez prendre une photo clé, parce que aujourd'hui, par exemple, en France, c'est les résultats du bac. Donc, on peut imaginer la photo des résultats du bac et on a 5 minutes pour décrire à l'oral la photo. Ça permet de faire un petit rituel en début de cours, de parler entre nous sur un sujet et ça permet de délier la parole. On peut aussi utiliser la presse pour détourner une information, pour en faire une fausse. Donc, c'est l'inverse de la fausse information. Comme ça, à l'issue de cette activité-là, on peut faire un débat avec ses élèves pour savoir, pour mieux comprendre les fausses informations. Donc, vous pouvez demander à vos élèves de se regrouper et vous proposez aux élèves de lire une information que vous aurez au préalable choisie. Vous leur demandez de détourner cette information et, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez finir par un débat sur les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Pourquoi les fausses informations se propagent? Pourquoi croit-on les fausses informations? Donc évidemment, cela s'adresse à des élèves d'un niveau un petit peu plus élevé. Ensuite, participer à un débat. Comment on peut participer à un débat à partir d'un fait? Vous faites plusieurs groupes. Dans chaque groupe, vous aurez un présentateur
des participants pour et des participants contre. Pour préparer le débat, vous allez regrouper autour d'une table tous les présentateurs. Les présentateurs, ils vont se mettre dans leur rôle. Ils vont penser à leur rôle, penser à ce qu'ils vont dire, comment ils vont donner la parole aux participants, comment ils vont modérer la parole. Vous allez mettre dans un autre groupe tous les pour et dans un autre groupe tous les contre, de manière à ce qu'ils enrichissent leur production avec l'énergie du groupe. Ensuite, vous revenez au groupe du départ et vous leur demandez de faire le débat. Et puis, évidemment, on fera une mise en commun en grand groupe à la fin de ce débat. On continue sur la presse. Je vous propose d'utiliser RFI Français Facile. RFI Français Facile est un site qui permet aux apprenants d'avoir accès au journal, mais c'est dit d'une manière très lente. Donc, ça permet vraiment à nos apprenants, s'ils sont débutants, de pouvoir suivre un journal. Comment peuvent-ils suivre le journal? Soit en écoutant ici, soit en écoutant et en lisant la transcription. Femme indigène élue à la tête de l'Assemblée constituante au Chili. Voilà. Moi, comment je le travaille? C'est très simple. Je propose tout d'abord d'écouter. Il y a toujours une introduction qui présente 4-5 faits sur différents pays. C'est vraiment la presse, c'est vraiment un journal international. Donc, 4-5 faits sur différents pays, je leur demande toujours d'identifier le pays. On fait une deuxième écoute, on identifie le fait. Et ensuite, on regarde la transcription pour vérifier ces hypothèses. Voilà ce qui peut donc être fait autour de la presse. Nous avons ici, nous pouvons faire une petite pause ici parce que j'ai fini ma première partie autour de mes 4 rubriques, sortir, se distraire, voyager et s'informer. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des idées pour enrichir ce webinaire? Alors, Valérie, je vais me faire le relais de quelques questions. Alors, technique sur cette première partie, par rapport à Book Creator, alors, on peut partager le livre créé avec le lien, mais est-ce qu'on peut le télécharger également? C'est une question d'un des collègues. On peut exporter l'objet livre? Oui, oui. Très bien. Voilà une première question de résolue. Et est-ce qu'on peut rassembler différents livres numériques créés pour faire une exposition virtuelle? C'était vraiment une question d'ordre technique. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de... Rassembler différents livres à l'intérieur d'un... Non, c'est un livre, un lien. Dans Book Creator, on a un livre, un lien. Donc, on ne pourra pas, avoir inséré... Ou alors insérer... Mais si, finalement, parce qu'avec le lien... Je peux insérer, si, je pourrais insérer le lien du Book Creator à l'intérieur d'un autre livre, si. Oui. Finalement, oui. Sur Mais un Geniali aussi, voilà. Ça peut faire une petite exposition virtuelle. Tout à fait. Très bien. Et on nous demande, est-ce que un site ou un lien où trouver des extraits de films en libre accès à part YouTube? Bah, Allociné. Oui, c'est ce que... Allociné, c'est ce que j'ai présenté, c'est pas YouTube, on a toutes les bandes annonces. Tout à l'heure, je vous ai montré la môme, il suffisait de cliquer sur la môme et on avait la bande annonce qui apparaît dans le site Allociné et pas sur YouTube. D'accord. Très bien.
Il n'y a pas d'autres questions pour cette première partie. Je pense qu'on va pouvoir passer à la suivante parce qu'il nous reste un petit peu. On passe les 12 mois de l'année et c'est fini. Très bien. Merci Valérie. Donc je vous emmène maintenant autour des nouvelles idées autour du calendrier. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je vous propose d'exploiter les mois de l'année et j'ai intitulé cette rubrique « Une date, une piste à exploiter ». Donc, j'ai pris volontairement des pistes pour primaire, collège ou lycée ou bien pour des apprenants adultes. À vous de choisir. Donc, nous commençons tout d'abord avec les 4 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, avril. En bleu, ce sera la piste à exploiter. Et ensuite, vous avez des sites. Tout cela, je vous mettrai cela dans sur le drive parce que, évidemment, je ne vais pas tout ouvrir, mais je vais simplement vous expliquer comment marche cette diapositive. Donc, janvier, on fait tous la galette. Donc, ici, vous avez un petit lien YouTube sur la galette. C'est une activité qu'on peut faire en primaire, au collège ou au lycée. Nous pouvons tout simplement exploiter une recette de galette. Nous pouvons revoir le fait de langue en l'apératif. Nous pouvons faire une comparaison et c'est là où les éléments culturels sont très importants puisqu'on peut faire un chassé-croisé entre la galette espagnole et la galette française. Quelles sont les différentes coutumes? Comment on la mange? Quand on la mange? On peut ensuite, en prolongement, adapter une recette traditionnelle espagnole, la traduire en français en utilisant l'impératif. Et puis, ça, c'est une petite activité que l'on peut faire avec des petits, mimer les actions. Donc, on imagine couper, broyer selon les différentes actions que l'on aura dans la recette que vous aurez choisie. La même chose, on arrive en février. En février, c'est la Chandeleur, donc je ne répète pas, mais c'est vrai que tout ce que j'ai dit sur la galette peut être adapté, transféré à la Chandeleur. On arrive aussi en février sur les défilés de mode. Donc, je vous ai mis les dates pour l'année prochaine. Donc, les défilés auront lieu du 28 février au 8 mars 2022. Vous avez le calendrier là et sur ce site web, vous aurez tout un tas de défilés à exploiter. De la même manière que les musées ont mis en ligne des expositions virtuelles, tous les créateurs de mode ont mis en ligne leur défilé et je vous invite à cliquer sur tous les créateurs, que ce soit des grands créateurs connus comme Vuitton, comme Chanel. Vous allez voir, ils ont fait des choses extraordinaires puisqu'ils ont fait des vidéos dans des châteaux. Je pense à Céline qui a fait une vidéo dans un château de la Loire. Dior a fait une vidéo autour du tarot. C'est une pure merveille. Je vous invite vraiment à exploiter ces productions pendant vos cours. Quel prolongement vous pouvez faire? Donc, nommer les vêtements, ça semble logique. Vous pouvez demander à vos élèves de faire un relooking pour différentes circonstances. Comment je m'habille pour aller à l'école? Comment je m'habille pour aller pour sortir à un événement bien particulier? Comment je m'habille pour aller au travail, etc. Et puis aussi, c'est pareil pour les plus petits, vous pouvez leur demander d'apporter des affaires et de faire un défilé de mode. Il y aura un présentateur qui présentera le défilé pendant que les enfants, différents enfants, défileront. On enchaîne avec mars. Mars, donc, la journée de la femme est en général très utilisée. Je vous donne une petite vidéo sur la véritable histoire du 8 mars. Pour les primaires, je vous invite à consulter ce livre. Je vais juste l'ouvrir. Il existe dans toutes les langues. Il a été traduit. C'est les histoires pour filles rebelles.
Vous avez différentes versions et c'est des mini-bios qui sont écrites dans un français assez simple. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser avec vos élèves. Au collège ou au bac, on peut faire un débat sur la parité, sur l'écriture inclusive lors de cette journée du 8 mars. Ne pas oublier, en mars, c'est aussi la journée de la francophonie et on peut travailler sur la chanson. On passe au mois d'avril. Pour les plus petits, c'est toujours intéressant de travailler avec le poisson d'avril. Je vous ai mis un site qui s'appelle mom.net dans lequel vous allez pouvoir trouver beaucoup de ressources à faire avec les petits et notamment sur le poisson d'avril. Ne pas oublier, au mois d'avril, c'est la journée de la Terre, le 22 avril. Donc, on peut imaginer un travail sur une exploitation de photos. On peut imaginer faire une exposition photo, la commenter, participer à un débat télévisé, faire une construction, une sculpture avec des emballages. Et puis parler du recyclage par la même occasion et écrire une petite notice. Voilà pour les 4 premiers mois de l'année. Allons maintenant vers mai, juin, juillet et août. Au mois de mai, je vous invite à travailler sur le 8 mai avec les exploitations de cette vidéo, donc qui est tirée de Un jour une question. Ensuite, ici la bande-annonce d'un film. Au mois de juin, nous avons deux événements en France, c'est la fête de la musique et Roland-Garros. Roland-Garros qui est l'occasion de revoir les sports, de revoir, je fais de la danse, je fais du tennis et de revoir les nationalités. Juillet, nous n'avons plus cours, mais pourquoi pas anticiper et faire un tour de France qui nous permet aussi de revoir le sport, mais aussi les régions françaises. Donc là, on ancre vraiment le culturel dans nos classes. Parler du 14 juillet, c'est pareil. J'ai mis le lien de Un jour une question sur ce qu'est la fête du 14 juillet. Au mois d'août en France, ce sont les vacances et il y a énormément de marchés nocturnes, donc je vous laisse si vous voulez des documents, parce qu'il y en a tellement, c'est à propos de chaque ville, donc je vous laisse cliquer sur la ville qui vous intéresse sur Internet. Nous allons finir avec septembre, octobre, novembre et décembre. Septembre, c'est la rentrée des classes. Donc, je vous propose encore le petit Nicolas avec la rentrée des classes. 26 septembre, jour très important pour nous puisque c'est la journée européenne des langues, ce qui sera l'occasion de revoir les différentes langues, les différents pays. Et en général, c'est très bien parce que c'est souvent par cela qu'on commence l'année scolaire dans les écoles. En octobre, c'est la semaine du goût, donc je vous laisserai aller sur ce site de la semaine du goût où vous allez pouvoir travailler l'alimentation. En novembre, l'armistice du 11 novembre. Et puis pour finir avec décembre, les vitrines des grands magasins à Paris que vous pouvez facilement exploiter. Et puis les marchés de Noël en Alsace. Voilà, j'ai été très rapide sur ce dernier point, mais je pense que là, c'est à vous de prendre le temps, de cliquer, de voir comment, en fonction de votre public, vous pouvez incorporer tous ces faits culturels dans vos classes. Et je vous laisse maintenant la parole. Le webinaire est fini en ce qui me concerne, mais je peux répondre à vos questions. Donc, je vous écoute. Alors, il n'y a plus beaucoup de questions. Valérie, il y a surtout des commentaires pour te féliciter sur ton travail, la créativité de ce que tu... Merci. Donc, voilà, des félicitations. Il y a beaucoup de... Comme tu vois, il y en a des commentaires dans le chat. Dans l'onglet de questions-réponses, il y a
pas de nouvelles questions finalement. Il nous restait un petit peu de temps. Et vraiment, enfin, moi, je tenais à te remercier au nom de la coopération éducative et linguistique. Hein. C'est vraiment très riche tout ce que tu as présenté, pratique, ancré vraiment dans le réel et en proposant en plus différents niveaux. Je pense que tous les collègues vont pouvoir s'y retrouver et adapter toutes tes propositions. C'est vraiment très... On est d'accord que tout ce que Valérie a proposé sera également mis sur le drive, hein. Peut-être pas sous la même forme, mais il y aura certainement tout à fait. Vous aurez tous les liens sur le drive et à vous de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, de voir comment l'adapter, vraiment comment l'adapter à vos cours, parce que c'est à vous. Ce sont des pistes à exploiter. À vous maintenant d'en faire votre propre création, utiliser votre imagination maintenant pour ancrer le culturel dans vos classes. Et l'enregistrement également, je remettrai le lien tout à l'heure dans le chat, le webinaire a été enregistré et sera aussi déposé sur notre chaîne YouTube de Coopérar para el Francés. On nous demande est-ce qu'on peut avoir le contact de Valérie. Oui. Ce sera mis, je pense, également sur tes documents, il y aura un moyen. Tout à fait. C'est à ce moment-là, donc ce sera, tout va être mis à votre disposition. Je le mettrai sur le drive. Voilà, pour pouvoir tirer profit de tout ce que tu as pu présenter. Pas de problème. Alors, oui, ça va arriver au courant de la semaine. Hein, pour les autres webinaires, normalement, je vois qu'il y a des questions. Donc, voilà. Eh bien, Valérie, s'il n'y a plus d'autres questions, je vérifie juste l'onglet, mais ce n'est pas des questions, c'est vraiment des commentaires de remerciements et pour tout ce que tu as pu proposer. Remerciements et félicitations. Ouais. Alors, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite un très bel été. Voilà, à la fin de cette semaine, bien sûr. Ouais, à la fin de la semaine. Merci beaucoup, Valérie. Bonne journée et bel été à toi aussi. Merci, Julie. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.